Coucou les amis, regardez ce que je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres. Je suis super contente, c'est un jeu que j'ai commandé, enfin que j'ai backé sur Kickstarter. Donc je l'ai précommandé sur Kickstarter, il n'a pas mis longtemps à arriver. Entre la fin de sa fabrication, entre la fin du Kickstarter, sa fabrication, je pense que ça a pris à peu près 2 mois, ce qui est vraiment un délai très très raisonnable. Sachant que certaines personnes attendent les jeux 1 an. Moi, j'aime bien avoir les délais plus courts comme ça et c'est super chouette. Alors, elle arrive dans une boîte en carton avec... c'est un jeu qui arrive dans une boîte en carton avec des petits lapins qui sont autour, des scotch en petits lapins. Et je vais vous montrer ça. Alors, j'avais juste décroché sur le côté. Oh, je vais être obligée de déchirer le scotch lapin. Bon... Voilà. Alors, on a une petite carte, la reine d'épée. Oh là là, c'est trop mignon. Avec le certificat d'authentification qui a, s'il vous plaît, été tapé à la machine. On l'a vu sur Instagram taper tous ces certificats, plus de 3000 certificats. Je crois, si je ne me trompe pas, 3720, quelque chose comme ça. Et 3500, elle en a tapé 3500. Et là, waouh, hein, félicitations pour ce travail-là. Alors je vais mettre peut-être la petite carte à l'intérieur pour pas la perdre. Si je peux la rentrer. Voilà, et je la mettrai dans le jeu. Des fois j'ai des petites feuilles, des fleurs, des certificats aussi qui sont dans le jeu, des petites cartes en plus, j'aime bien ça. Je vous montre ça, mais en fait j'ai même pas regardé quel numéro j'avais. Le 498. Vous avez vu le petit renard? Trop mignon. Alors on a un petit mot que je lirai un petit peu plus tard, vous m'excuserez, mais il me faudra un petit peu plus de temps pour le décrypter puisque c'est un message en anglais. Donc je vais mettre ça de côté et on va découvrir le jeu ensemble. Alors, je vais garder ça, je vais mettre de côté. Hop. On a le pochon au fond. Alors, je vais mettre le jeu de côté. Je vais regarder déjà ce qu'il y a au fond. Alors oui, ça, c'est un tissu qui a été fait en... Elle s'est associée avec quelqu'un, il me semble, pour créer un pochon ou une petite nappe de tirage pour envelopper le jeu, en fait. Et c'est teinté... dans un bain d'eau, de feuilles, de fleurs. Donc ils sont tous différents, bien sûr, puisqu'ils sont tous uniques. Il faudra faire très attention. The way of the tea. Ça a été trempé aussi, je pense, dans du thé également. Et on pourra attacher le jeu aussi avec ce petit ruban. C'est du tissu qui a tout été recyclé. Pareil, la boîte, je sais qu'elle a utilisé des boîtes en carton recyclé également. Donc ça, je regarderai, je vais le mettre de côté et je vous montrerai comment emballer le jeu avec. Waouh, et on a des petits goodies avec. Oh, qu'est-ce qui c'est choupinou ! Oh, mais c'est un jeu, moi j'ai complètement craqué, regardez-moi ça, comme c'est beau. Bah, forcément, hein. Des petits lapins, des petits écureuils, c'est magnifique. Magnifique. C'est super joli. Alors, je vais mettre ça de côté, et on va découvrir le jeu ensemble. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer. J'avais pas eu le temps de vous le présenter, de faire un petit peu de com' dessus. Moi, j'avais complètement craqué dessus. J'avais partagé un petit peu sur Instagram au début. Mais après, j'ai pas plus insisté que ça. J'en avais pas parlé encore sur YouTube et c'est vrai que ça aurait été sympa. Parce que je sais qu'en France, on n'a pas toujours cette habitude d'aller voir un petit peu ce qui se passe aussi sur Kickstarter. Donc là, on a le jeu. Alors, le plastique est compostable. Donc, ça ne doit pas être du... D'ailleurs, on sent que c'est pas du plastique comme on en a. Ce n'est pas la même matière. C'est très, très étrange.
Et on a le jeu comme ceci, qui arrive dans une boîte en carton. Voilà. Waouh, j'adore, j'adore, j'adore. Il est très beau. Le fou. Donc je monte le dos. Alors le dos n'est pas réversible puisque les animaux sont pas les mêmes. Ici on voit une différence quand on a l'endroit à l'envers. Le magicien, la grande prêtresse, et ce sont que des animaux de la forêt. Ouais, ce sont que des animaux de la forêt, je vais vous zoomer. Voilà. L'impératrice magnifique avec le sceptre. On a son bouclier ici avec la tête de bélier qui est gravée. Non, pardon, c'est l'empereur, excusez-moi. L'impératrice ici, avec le sceptre également, avec ses petits enfants. C'est super sympa. Le hiérophante, les amoureux, bah oui, les petits chouchous, mes petits renards chouchous. Le chariot, trop fort. La force. L'ermite, la roue de fortune, la justice. Les cartes sont de belle qualité. Ah, elle est jolie, la mort. La tempérance, le diable. On a les numéros aussi en haut ici. La tour, l'étoile, très belle. La lune, hein, je l'avais vue, je l'avais trouvée magnifique. Le soleil, je la connaissais pas parce qu'elle n'a pas montré toutes les cartes, donc ça c'est très très sympa. Ensuite on a l'as, les coupes qui sont donc avec les petits écureuils. Le page, le cavalier, la reine et le roi avec leur couronne sur la tête. Ensuite, on a les pentacles qui sont avec les lièvres, les lapins et les lièvres. Avec le petit cœur dessus, le page avec son petit cœur. Le cavalier, la reine et le roi. Donc, les épées avec les corbeaux. Les bâtons, bien sûr, avec les renards. Ah, sympa. Forcément, je ne pouvais que aimer ce jeu. C'était évident. Quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué. Alors, le page, le cavalier, la reine et le roi. Il y a des cartes additionnelles, les possibilités. Celle-ci n'est pas nommée, ces deux-là ne sont pas nommés, donc c'est à vous de mettre en fait les interprétations sur ces deux cartes. Voilà. On a des mots-clés pour les majeurs, les mineurs. Voilà. Et ah, c'est un petit peu abîmé la lumière. Bon, c'est pas grave. Et on a un livret en fait qui est téléchargeable à côté. Donc c'est pas un livret imprimé, c'est un livret téléchargeable qu'on peut prendre sur son site. Voilà, sur leur site. Très très sympa. Ah, je suis ravie d'avoir pu faire cette petite unboxing avec vous. Alors on va regarder comment on peut mettre le pochon. Alors je vais retirer ça. Hop. Je remets la petite carte de présentation. Je vais vous dézoomer un petit peu. Tchouk 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 tchouk. Voilà.
Donc, je pense qu'on peut peut-être le mettre. Bon, en fait, on peut un peu le mettre comme on veut. Hein. On peut faire comme ça. Alors soit vous pouvez faire plusieurs tours, soit vous pouvez le mettre comme ceci, pourquoi pas. J'ai même la possibilité voilà, de faire un petit tour de plus. Ou simplement de le mettre là comme ça avec un joli petit nœud. Il va être bien comme ça. J'aime bien cette idée. Voilà, et voilà pour notre petit jeu, un petit peu plus protégé du coup, et qu'on peut emmener un petit peu partout. Je suis très très heureuse de découvrir ce jeu, en plus je trouve qu'il est très bien pour ses couleurs automnales, et puis pour ce travail aussi qu'on peut faire un petit peu plus sur le travail de l'ombre, donc ce contact avec la forêt, puisqu'on a, on a beaucoup cette symbolique hein, du travail de l'inconscient et de l'ombre qu'on retrouve dans la saison de l'hiver aussi qui approche. Et puis en même temps, qui est symbolisé par les profondeurs de la forêt, et donc par les petites créatures qui y vivent, comme les créatures qui sont, comme les petits animaux qui sont présentés dans ce jeu. Donc je pense que ça va être très chouette pour cette saison de l'automne, et puis cette saison de l'hiver aussi qui arrive à grands pas. Voilà, donc je vous en montrerai un petit peu plus au fur et à mesure. Là, c'était vraiment une première découverte avec le jeu. Hop. Et puis je vous en reparlerai dans un vlog, je vous donnerai mes impressions aussi une fois un petit peu manipulées et utilisées. Je vous embrasse tous bien fort et je vous souhaite à tous une très très belle journée. Bye bye.